Hey baby girl, dis-moi qu'est-ce qu'on fait ce soir. La sonore du corps, plongée dans le noir. Disque musique là, sont dans le programme. Te retiens pas girl, laisse-moi te faire vibrer. Tu diras où, sous la lumière douce, des chandelles de miel. Laisse-toi emporter par mon savoir-faire. Et ben oui, je m'en charge car on m'appelle pas Chopin. Sexy, de ton chapeau. Et quand tu lâches tous mes sens sont dans les fingers. Sexy, de pas en haut. Et quand tu danses tous mes sens sont dans la left girl. Sexy chick, when you walk my body just trembling. Sexy chick, when you walk my mind you go crazy. Sexy chick, when you dance my body. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter au public africanisant? Eh oui, comment je m'appelle moi? Pachabai, c'est mon nom pour ceux qui me connaissent et même pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc ça reste le même nom, Pachabai. Alors, pour quelle raison tu es ici en Belgique? Pourquoi je suis en Belgique? Eh bien, c'est parce que je suis en promo pour un film qui s'appelle Vive Arriva, dont je suis l'acteur principal. J'aime bien dire comédien principal, je trouve que c'est plus français. Voilà donc. Il est au Cauca. Et au Cauca, le sous davantage. Riva! Riva! Riva, tout est. N'aime ça que nous. 5, 6, voire 10 dollars le litre. Oui, oui, ça. Tout le cambo. Quelles sont les circonstances qui t'ont amené à avoir le rôle principal de Vive Arriva? Eh oui, le rôle principal de Vive Arriva, pas facile pour y arriver. Mais moi, en fait, à la base, je suis un chanteur. Ce qui fait que quand l'équipe de tournage a fait le casting un peu partout dans le monde, le réalisateur ne trouvait toujours pas le rôle principal. Donc ce qui fait qu'ils ont, fini par faire un casting dans le milieu des chanteurs R&B congolais, et bizarrement je n'étais même pas là dans ce casting. Moi je suis arrivé je crois le tout dernier je suis arrivé, et c'est par hasard que je me suis retrouvé dans la pièce pour faire le casting, parce qu'en fait moi je suis venu voir un ami qui me dit voilà, je suis là pour un casting de cinéma. Alors, je me suis dit ah bon, il y a du cinéma pour nous-mêmes. Et le producteur du film sort à l'instant, il me dit « Est-ce que tu es là pour le casting ?» Je dis « Non, pas du tout. » Il me dit « Voilà, essaye, entre et fais-le quand même. » Donc je l'ai fait finalement ce casting. Et deux jours après, c'est le réalisateur qui me rappelle pour me dire « Tiens, j'ai vu les rushs et je trouve que tu as la queue pour pouvoir interpréter le rôle que je fais. » Je dis « Ah bon ?» Juste comme ça. Et voilà, donc j'ai commencé l'aventure, j'ai pris une bonne formation, ça n'a pas été facile évidemment, parce que la transition entre la musique et le cinéma, il y a quelque chose de difficile. Parce qu'en fait en musique, quand je fais des clips vidéo, j'ai envie de ressembler à ce qu'il y a de plus beau, tu vois, ce qu'il y a de plus charmant évidemment. Mais dans le cinéma, tu ne contrôles pas ton image, tu donnes ton image au réalisateur qui contrôle à ta place. Donc, en fait, quand tu manges pas pour être pauvre, tu manges pour vraiment manger. Par contre, dans mes clips, j'essaie de stimuler un peu. Voilà, je pense que ces petites difficultés, je les ai quand même eues en plein tournage, mais je les ai surmontées finalement. Et voilà, donc je me suis retrouvé dans Vive Arriva finalement, avec le rôle principal. Ça n'a pas été facile, mais j'ai donné du bien. Voilà. Je le referai. Mais alors la poisson, sucre, et que bon maillot. Je ne peux pas prédire ce qui va arriver dans quelques années, mais actuellement je suis à fond dedans, dans les deux. Donc là je suis en train de préparer un album qui s'appelle Maturité. Et c'est un album qui à mon avis sera riche parce que j'ai vécu tellement d'expériences enrichissantes ces deux dernières années. Donc je ne vais pas laisser mon inspiration mourir comme ça. Donc je vais forcément écrire des chansons
voilà, donc je suis dans la musique et dans le cinéma en même temps. Si un jour le cinéma me prend plus de temps, peut-être que je produirai plus de musiciens parce que c'est une passion pour moi la musique. Donc, je sais pas vivre sans. On a l'impression que nous avons combien d'appareils pour 1000 dollars dans la maison pour la mère. Nous nous paraissons bien sûr tous des foyers. Il faut que le public aille au cinéma, mais tu peux nous parler en quelques lignes du film de l'intrigue. C'est vrai qu'en quelques lignes, ce serait un peu difficile, mais voilà, je le dis quand même en quelques paragraphes si tu veux. Voilà, donc Vive Arriva, c'est une histoire qui se passe essentiellement au Congo. Et c'est l'histoire d'un gars qui, je dirais, brûle ses ailes dans la quête de la liberté parce qu'il a longtemps été un contrebandier. Il a fait trafic d'essence, si tu veux. Et il se dit, 10 ans après de partir en Angola, il se dit, voilà, le temps est venu pour rentrer dans mon pays. Et en revenant au Congo, il cherche une certaine identité, il cherche à se faire une place au soleil, évidemment. Et il ramène du carburant qu'il veut vendre avec un prix exorbitant parce qu'il y a une crise pendant ce moment-là. Et voilà, donc c'est une histoire de beaucoup de violence, évidemment, parce que quand on voit contrebande, on voit, je dirais, armes, sexe, tout ce que tu veux. Donc c'est une très belle histoire à compter avec, je dirais, une fiction presque parfaite. Justement, en parlant de ça, bon, tu as vu un peu les premières réactions du public, puisque tu as déjà fait ta petite tournée. Et comment tu ressens l'accueil du public par rapport au film? Le public, il est très chaud. Et ça, j'aime bien parce que, en fait, on a eu à tourner beaucoup avec ce film. On est allé dans différents pays. Et chaque pays a en fait sa réaction, son feeling. Je pense que le feeling bruxellois, il fait partie de ceux qui m'ont vraiment marqué. Parce qu'en fait, on a même eu à la première, comme on dit, une stand ovation. Ça n'arrive pas en salle, généralement. Donc voilà, je pense que Bruxelles a super bien accueilli le film, évidemment la Belgique aussi. C'est vrai que beaucoup de gens posent quelques questions qui sont liées un peu à quelquefois au scénario et à certaines scènes de violence qu'on retrouve dans le film. Mais en même temps, moi, en tant qu'acteur, je n'ai pas de réponse à ça. Moi, j'interprète un rôle. Donc, je pense que le réalisateur est certainement passé aussi dans les médias pour pouvoir expliquer son film. Moi, ce que je retiens, c'est plutôt que le public a aimé le film et que c'est une belle histoire et une belle aventure. Justement, la particularité du film, c'est son côté hollywoodien. Mais justement, par rapport à ce côté hollywoodien, on parle de violence, de sexe. Il y a des personnes qui ont dit, oui, voilà, c'est un peu hot le film. Qu'est-ce que tu penses de ces réflexions, surtout par rapport à la mentalité africaine, congolaise, où on a tendance à rendre tabou le sexe? Voilà, par rapport au tabou africain, si tu veux, ce n'est pas seulement congolais, peut-être. Je veux redire ce que je dis souvent quand on me pose des questions, même dans les Q&A et tout, après une séance. Je dis peut-être qu'en Europe, on s'est habitué à montrer le sexe dans les films, si tu veux. Et ça ne choque pas beaucoup. Et on s'est dit, ok, parce que c'est européen. Mais en Afrique, on cache tout ça. Mais en même temps, peut-être qu'en Afrique, on fait plus de sexe qu'on le montre. Et en Europe, on montre plus qu'on en fait. Tu veux dire que l'Africain est plus hypocrite? Plus hypocrite, je pense. Parce qu'en fait, ce n'est pas les Européens qui ont beaucoup d'enfants. Donc je pense que les Africains le font un peu plus, mais ils le montrent moins. Et ben, c'est un choix du réalisateur de le montrer, aussi cru que ça peut le paraître. Moi, ça ne me dérange pas parce que je trouve que finalement, c'est une image qu'on montre sans rideau. Voilà, on n'a pas besoin de rideau pour montrer ce qui se passe dans la société, donc voilà, montrer tel que ça se passe. Et que, évidemment, si c'était vraiment choquant pour les Africains, on n'aurait pas rappelé 6 Oscars
au Nigeria, qui est un pays africain. Donc je pense que le fait que l'Afrique reconnaisse ce film comme étant un grand film, tout est dit. Donc l'Africain prêt aujourd'hui à aller de l'autre côté du mur, pouvoir parler de ses problèmes sans tabou, évidemment s'affranchir. J'ai des ambitions de me retrouver dans un autre cinéma où ça tourne beaucoup plus, mais chaque fois que le Congo aura besoin de moi, je serai toujours là, je pense, parce que je devrais certainement ma notoriété à ce premier film. Donc automatiquement, je me sens redevable à mon pays, il faut que je lui donne aussi quelque chose. Évidemment, si j'ai la chance de faire des films dans une industrie comme Hollywood, pourquoi pas, ce serait très bien. Mais en même temps, j'ai un manager nigérien actuellement, qui s'appelle Dayo Ogboni, qui veut me placer dans le cadre du film nigérien, mais évidemment pas les films vraiment très, très typiques nigériens, mais ceux qui s'ouvrent un peu plus sur l'international. Donc je pense que là, je suis en train de m'apprêter à faire peut-être un ou deux rôles dans quelques films en dehors du Congo. T'as peut-être fait toucher le travail. Peut-être dire tout simplement à tous ceux qui vont suivre cette interview que c'est une nouvelle ère qui commence, donc il y a certainement un cinéma qui va s'ouvrir au Congo, et qu'actuellement dans le monde il faut compter avec le Congo, parce que je pense qu'il trouve à suffisance qui peuvent être très bons dans divers domaines dans le monde. Je pense qu'il y en a des Congolais un peu partout. Donc voilà, et merci à Gavisa. Sur le côté, bien au fond, pour toi au-dessus, laisse-toi emporter par le savoir-faire. Et ben oui, je m'en charge, car on m'appelle pas Jabai.